Bonjour à tous. Vous avez certainement envie de lire les messages supprimés sur WhatsApp et Messenger, mais vous ne savez pas comment faire. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment vous pouvez lire les messages supprimés sur WhatsApp et Messenger. Alors, directement sur le Play Store. Voilà. Nous allons télécharger une application qui s'appelle Notification History. Voilà, c'est cette application. Voilà. Puis, on va installer l'application. Donc, installer l'application. Donc, c'est déjà téléchargé. On va continuer pour l'installation. Voilà. Voilà. Allez, on continue. Donc, application télécharge. Maintenant, je demande à un ami de m'envoyer des messages. Vous voyez les messages qui s'apparaissent. Voilà, mais les messages sont supprimés. Je lui demande encore de m'envoyer un troisième message. Voilà. Troisième message supprimé. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller sur WhatsApp pour vérifier. Voilà. C'est celui-là. On va cliquer. Voilà, trois messages supprimés. On a 1, 2, 3 messages supprimés. On va sortir sur WhatsApp. On va ouvrir l'application. Voilà, on va cliquer. Voilà, c'est la même personne. Vous voyez, c'est la même personne. On va cliquer ici. Voilà. Et vous voyez les messages qui sont supprimés. Merci pour la vidéo. Ça va. Etc. C'est tous les messages qu'il m'a envoyés. Voilà. Quel que soit supprimé ou non supprimé, ils vont apparaître ici. Maintenant, on va voir pour Messenger. Voilà. On m'a envoyé des messages. Voilà. À peu près 4 messages. Bon, on va ouvrir Messenger. Vous voyez. 1, 2, 3, 4. Mais les 3 sont supprimés. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner toujours dans l'application. Bien, on va ouvrir l'application. Voilà. Et voilà, c'est la même personne. On va cliquer. Et voilà, les messages. D'accord. Merci pour la vidéo. D'accord. Etc.